Voilà. Voilà. Bonsoir, mesdames, messieurs. Il y en a quelques-uns dans la salle ici ce soir. Permettez-moi de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au nom du Collège Échevinal et du Conseil communal de la ville de Luxembourg, ici au Tramchap, pour une conférence qui, enfin, se produit. Cette conférence était prévue il y a 2 ans à l'origine, et enfin, aujourd'hui, nous pouvons aborder ce sujet, qui est un sujet important. Est-ce que tout le monde a des écouteurs qui ne comprend pas le luxembourgeois? S'il y a des gens qui ont besoin d'une traduction, if there are some people in the room who have not the translation, please go outside. There are some headphones to take some translation. Voilà. Je suis immense froh. Je suis heureux, en ma qualité d'échevin responsable de l'égalité des chances, de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence en coopération et ensemble avec Claudie Ryland, présidente de la Commission à l'égalité des chances. Je dois dire que c'est un sujet qui, il y a 3 ans, quand j'ai pris mes fonctions, dont j'ai pris connaissance il y a 3 ans. J'ai mis du temps simplement à pouvoir prononcer ce terme endométriose. Et je trouve que c'est une chance, en fait, dans mon environnement familial. Je n'ai personne qui soit concerné par cette maladie, l'endométriose. Et à ce moment-là, on peut se dire que c'est un sujet qui ne nous concerne pas, au moins. Et c'est justement l'une de nos tâches ici ce soir. Grâce à cette conférence, grâce à l'atelier qui s'est tenu il y a 2 semaines, grâce à l'engagement porté par des communes, des associations, notre mission, c'est justement de faire en sorte que ce sujet ne soit plus tabou. C'est un sujet qui concerne 1 femme sur 7. C'est un sujet qui, pour les filles et les femmes concernées, les concerne dans leur vie de tous les jours. Je pense que c'est quelque chose qui est ressenti jour et nuit. Je parle comme si j'étais un expert, mais c'est ce que j'ai entendu. Et il est donc extrêmement important de faire en sorte que ce sujet ne soit plus un tabou. Et je pense que c'est la première conférence organisée sur ce sujet. J'ai entendu tellement d'échos quant à l'organisation de cette conférence. Excellent, enfin ce sujet est abordé. La plupart des conférences abordent des sujets bien connus, mais ici, il s'agit vraiment d'un sujet qui a suscité des réactions parmi les concernés qui se disaient « Enfin, je peux avoir un échange et parler de cette maladie. » Je pense que c'est extrêmement important. C'est une maladie chronique liée aux règles, en lien direct avec les règles, et qui concerne la vie quotidienne. La vie quotidienne est entravée si l'on souffre de cette maladie. Et il est donc important pour la ville de Luxembourg, avec les communes de Dudelange et de Bettembourg, de pouvoir thématiser ce sujet avec toutes les associations actives dans ce domaine. Et il faut lever ce tabou sur les règles également. L'on comprend qu'il s'agit de quelque chose qui prendra du temps. Donc, il est important d'être volontariste, de se battre pour que ce sujet ne soit plus un tabou. Et je suis heureux et je tiens à remercier Anne-Marie Makil, chargée à l'égalité, pour le soutien qu'elle m'a accordé à chaque fois que nous avons des idées, pour son soutien à la mise en œuvre. L'année dernière, nous avons décidé, Ville de Luxembourg, après que la commune de Val-Ferdanche a été pionnière, nous avons décidé de mettre à disposition des produits
l'hygiène. Nous avons également lancé un projet pilote dans une école primaire. Nous allons évaluer ce projet et puis élargir ou étendre ce projet parce que cela s'inscrit dans cette discussion sur les règles. Et je pense que nous pouvons apporter notre contribution pour offrir davantage de confort. Et c'est ce qui compte sur cette thématique. Et je pense que la politique doit également aborder ce sujet. Comme je vous le disais, c'est un sujet qui concerne le grand public. Nous devons apporter des réponses en tant qu'élus politiques et nous serons jugés à l'aune des actions que nous allons adopter et de ce que nous vous proposez aux personnes concernées pour leur faciliter la vie. Donc, je suis heureux ce soir que nous ayons pu organiser cette conférence avec des partenaires. Des partenaires, d'une part les communes, Dudelange et Bettembourg, Dudelange, l'équipe du service à l'égalité des chances et à Bettembourg également, l'équipe du service à l'égalité des chances auquel je souhaite la chaleureuse bienvenue ici au Tramshap à la ville. Et côté association, SIT Fran et Gender fait partie de nos partenaires. Le CESAS, le Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, qui sont très actifs à l'heure actuelle. Je suis ravie qu'ils nous aient rejoints ce soir. Je pense que vous avez une semaine très chargée qui est en cours et qui porte sur la santé affective et sexuelle. Je tiens à vous féliciter également parce que c'est l'un de ces sujets qui doit être abordé et qui doit être mis à l'avant-plan. Ensuite, le centre LGBTIQ+ et le CIGAL est associé à ce projet, une association envers laquelle j'ai beaucoup de respect. Ils font un travail précieux. Il y a un mois, la ville de Luxembourg leur a remis le prix Anne Beaufort pour récompenser les actions en matière d'égalité et des chances. Et c'est beau de voir qu'il y a une suite dans les projets. Ensuite, merci à l'association ALAF, Association luxembourgeoise des amis de la Fondation Louvain. C'est une chance que de pouvoir travailler avec des partenaires comme ceux-là du monde universitaire qui nous ont permis de composer un panel très intéressant pour ce soir. Dire un grand merci au professeur Squifley de l'Université de Louvain, évidemment, d'être parmi nous ce soir. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous parce que c'est important de regarder ce sujet de toutes les facettes. Et votre présence aujourd'hui parmi nous est pour nous un grand honneur. Tofia, permettez-moi de vous présenter les participants de la table ronde. Une table ronde qui est en fait la suite de cet atelier qui s'est déroulé il y a 2 semaines ici dans la ville de Luxembourg. Et je suis ravie de voir que nous avons pu réunir une série d'experts pour cette table ronde, commençant par le professeur Jean-Luc Skifflet, gynécologue clinique universitaire Saint-Luc, qui vient de Belgique. Bienvenue. Ensuite, Suzanne Hilt, naturopathe d'Allemagne, qui nous fait l'honneur d'être présente ici ce soir. Et Anne-Marie Antoine, psychologue auprès du planning familial, et le docteur Marc Stieber, gynécologue à la clinique Boller. Merci à vous tous pour votre disponibilité pour aborder un sujet extrêmement important qu'il convient de mettre à l'avant-plan, qui doit faire l'objet d'une discussion, parce que ce n'est qu'ainsi que nous pouvons comprendre comment mieux informer le grand public et comment aider. Nous comptons sur la présence d'Anne Schaff, journaliste et facilitatrice. Elle s'occupera de l'animation de cette soirée. J'ai déjà trop parlé. Je vais sans plus attendre donner la parole à Annabelle Laborier-Safran, chargée à l'égalité des chances de la ville de Dudelange. Et puis, nous allons lancer le débat. Mais je ne veux pas oublier non plus de remercier à toutes les personnes qui ont monté un stand à l'extérieur, les associations. Vous pourrez vous y informer, avoir des échanges. Et je suis
convaincue que ce sera peut-être la première conférence, mais ce ne sera certainement pas la dernière conférence organisée sur ce sujet. Enfin, je vous prie de m'excuser. Ce soir, c'est une de ces soirées où beaucoup d'événements ont lieu en même temps. En tant que collège Eschvinal, nous organisons des réunions avec les citoyens. Nous avons une réunion à 19h à Bonnevoie. Conseil Eschvinal entoure, nous faisons la tournée pour être à la disposition des citoyens. Madame le bourgmestre a changé un tout petit peu l'ordre de parole, donc je suis là pour cette ouverture et puis je devrais aller à cette autre réunion. Merci beaucoup et j'espère que cela permettra d'avoir des échanges plus ouverts, plus libres sur ce sujet. Merci beaucoup. Voilà, merci à Bauer. Merci, Monsieur Bauer. Chers tous, moi aussi, je suis heureuse que nous puissions nous réunir pour aborder ce sujet. Cette conférence est pour certaines organisatrices une question qui leur tenait vraiment à cœur. Les personnes qui sont concernées par l'endométriose ou qui, dans leur vie professionnelle ou pour d'autres sujets, sont confrontées à cette maladie, savent qu'il s'agit d'une maladie complexe. Il existe toute une panoplie de symptômes, de chemins de souffrance, de chemins de convalescence qui sont différents d'un cas à l'autre. Cette maladie a des répercussions sur le corps, sur le mental et en raison de l'unicité de chaque cas, elle peut être difficile à diagnostiquer. Et c'est pourquoi l'on dit que l'endométriose est le caméléon de la gynécologie. Aujourd'hui, nous avons réuni des experts et expertes de différents domaines vu que les conséquences très variées de l'endométriose doivent ou devraient être abordées à partir de différentes perspectives. Plusieurs services et associations du domaine de l'égalité entre les genres participent à cet événement. L'endométriose est connue comme étant une maladie qui touche les femmes. Dans notre travail, nous savons que les femmes n'ont pas toujours le droit de décider de leur corps qui est parfois perçu comme étant un objet et pas comme une personne vivante, que leurs réclamations, leurs plaintes sont parfois moins entendues et que leurs besoins sont parfois négligents. Beaucoup de femmes en souffrent que les règles, la sexualité, en particulier la sexualité non masculine et la fécondité restent des sujets tabous dans notre société. Et nous savons que si cela est compliqué pour les femmes comparé aux hommes, alors les personnes qui ne s'inscrivent pas dans ces catégories classiques, que pour ces personnes-là, c'est encore plus difficile. Je pense aux personnes non-binaires, aux personnes trans, qui peuvent également être concernées par l'endométriose. Et toutes ces difficultés se reflètent dans les histoires de vie des personnes touchées par l'endométriose. L'endométriose est vue comme une maladie de femmes et est liée à des inégalités, ce qui fait que c'est un sujet qui doit être abordé dans une optique d'égalité des genres. Nous nous sommes réunis en tant que personnes concernées ou en tant que personnes qui connaissons des personnes qui sont concernées. L'expérience nous montre que beaucoup de personnes concernées en savent beaucoup plus sur l'endométriose que certains professionnels auxquels elles s'adressent. Ces personnes-là sont souvent les experts et expertes en raison de leurs propres expériences et de ce qui a été vécu. Pour préparer cette conférence, nous avons organisé deux ateliers pour les personnes concernées. Lors du premier atelier, plus de 20 personnes concernées ont témoigné et ces témoignages ont été intégrés dans la préparation de cette table ronde. Lors du deuxième atelier, sur la base des expériences partagées, nous avons réuni des informations, des idées et des besoins. Nous avons affiché les résultats de cette soirée et nous vous les proposons en guise de réflexion. Ensuite, le personnel médical qualifié pourra compléter ce recueil et aborder leurs besoins professionnels.
Nous tenons à remercier toutes les personnes concernées qui ont participé à cet atelier. Merci pour votre courage et pour le soutien réciproque auquel nous avons pu assister. Et vous, cher public, merci pour votre présence. Merci d'être venu ce soir pour vous informer à propos de l'endométriose. À partir d'aujourd'hui, nous partageons une responsabilité sociale pour que toute personne ayant l'endométriose puisse être bien accompagnée. Je donne la parole au docteur Skiffley, qui va maintenant nous expliquer quel est l'état actuel des recherches dans ce domaine et nous expliquer où nous en sommes à l'heure actuelle. Merci. Merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir d'échanger, c'est toujours un plaisir de communiquer, surtout sur une pathologie aussi difficile. Et comme je disais encore en aparté avec nombreux collègues que je connais, eux font souvent l'effort de venir à Bruxelles, donc c'est un minimum que moi je vienne de temps en temps au Luxembourg en dehors des vacances. Je voudrais préciser que je ne sais pas qui peut se targuer d'être expert. C'est juste quelqu'un qui a une expérience. Les patientes ont des expériences et c'est très important qu'elles doivent l'exprimer. Et donc, c'est aussi, sachez que d'un point de vue médical, on apprend énormément de notre expérience, mais aussi des patientes. Et donc, échanger permet aussi de rester très humble vis-à-vis d'une pathologie qui reste très compliquée. Juste pour la présentation, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est de l'endométriose, les connaissances médicales et les limites des connaissances médicales que nous avons, nous, médecins, à l'heure actuelle, le caractère extrêmement important dans l'avenir de la prise en charge des patients d'un point de vue multidisciplinaire, c'est-à-dire pas moi uniquement chirurgien, gynécologue, mais j'ai besoin d'une équipe pour essayer d'être le plus efficace possible dans la prise en charge de ces patientes et vous donner quelques bonnes nouvelles sur les recherches à l'heure actuelle, parce que tant qu'il y a de la recherche, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, ça veut dire qu'il y a des moyens qui sont intégrés par les firmes, par les universités, pour faire avancer nos connaissances dans la maladie. Alors l'endométriose, ça se définit par la présence de cet endomètre, qui est ce revêtement qui est à l'intérieur de l'utérus, qui s'élimine tous les mois, qui représente les règles. Donc tous les mois, c'est comme si la peau à l'intérieur de l'utérus s'éliminait et était régénérée tous les mois. L'endomètre peut se mettre à l'extérieur de l'utérus, et c'est ça qu'on appelle l'endométriose. Alors moi, j'entends de temps en temps des patientes me dire « Enlevez-moi l'utérus, on va régler le problème de l'endométriose ». Ça n'a rien à voir. C'est une des explications potentielles sur l'origine de l'endométriose, mais on a mis en évidence de l'endométriose chez les patientes qui naissent sans utérus, et on a mis en évidence de l'endométriose chez les hommes. Donc c'est pour ça que les théories sur l'origine de l'endométriose n'expliquent pas toutes les localisations de l'endométriose. Ce qu'on sait dans la localisation, c'est qu'elle peut se retrouver à trois endroits particuliers, principalement au niveau des ovaires, qui sont ces petites taches blanches à droite et à gauche de l'utérus, qui sont la réserve des ovocytes, donc c'est les œufs qui vont être garants de la fertilité féminine. Et au niveau de ces ovaires, il peut y avoir des poches de sang qu'on appelle des kystes et qui ont un aspect vraiment de chocolat fondu et qu'on appelle aussi des kystes chocolat. Il peut y avoir des localisations de l'endométriose au niveau du péritoine, qui est cette fine membrane que vous voyez recouvrir tous les organes à l'intérieur du ventre. C'est une fine membrane de cellophane, vraiment toute fine. Et puis, on a des petites taches d'endométriose qui sont parfois rouges, blanches, noires, et qui sont déposées sur ce péritoine. Et qui engendrent parfois le fait que ce péritoine fait que les structures à l'intérieur du ventre glissent les unes par rapport aux autres. Les ovaires sont mobiles. Les ovaires, c'est comme une balançoire, il est mobile. Mais avec l'endométriose, il vient se coller. Il perd sa mobilité, c'est ce qu'on appelle les adhérences. Ça a probablement un impact sur la fertilité et sur les douleurs également. Et puis la troisième localisation, qui est la moins fréquente, mais qui est aussi une prise en charge particulière de l'endométriose, c'est l'endométriose dite profonde,
qui est en fait une sorte d'iceberg. Donc on voit le sommet de l'iceberg, qui est la petite lésion entre l'utérus et le gros intestin que vous voyez derrière, et qui souvent pose des problèmes plus importants dans la santé de la femme et peut avoir même des répercussions sur sa santé ou sur sa vie. Désolé. Voilà. La théorie la plus communément utilisée pour expliquer la genèse de l'endométriose, vous voyez qu'elle n'est pas récente, c'est en 1920, c'est la théorie de Samson. C'est-à-dire que tous les mois, lors des règles, cet endomètre s'élimine par le vagin, mais il peut y avoir un reflux à travers les trompes qui fait qu'il y a un peu de sang qui est déversé dans la cavité péritonéale. Et on sait que ça, c'est relativement fréquent, on l'observe presque chez 9 femmes sur 10. Donc au moment des règles, il y a du sang à l'intérieur du ventre. Et peut-être que ce sang, avec des débris d'endomètre, va s'implanter sur les ovaires, donner les kystes chocolat, va s'implanter sur le péritoine et donner ces lésions d'endométriose péritonéale. Alors, ce qu'on ne comprend pas, évidemment, c'est pourquoi ce reflux est présent chez 90% des femmes et qu'on trouve de l'endométriose que chez 5 à 10% des patientes. Comment on fait le diagnostic de l'endométriose? Ça reste aussi difficile. Je pense, retenez les 4 points à votre droite. Ce qui est important, c'est évidemment de recueillir, en tout cas pour un médecin, l'anamnèse, c'est-à-dire les plaintes des patientes, même si vous verrez qu'il n'y a pas toujours de corrélation entre le type de plainte et le type de lésion qu'on va mettre en évidence. Ce qui est très important, c'est l'examen clinique, c'est-à-dire l'examen gynécologique. Il peut retrouver des lésions d'endométriose qui ne seront vues qu'à l'examen gynécologique. Donc, réaliser un examen gynécologique peut être douloureux, peut être traumatisant, mais est important dans la mise au point, en tout cas la recherche d'endométriose. On a des examens performants, comme l'échographie et principalement l'échographie endovaginale. Un des examens de référence est la résonance magnétique nucléaire du petit bassin. Et faisant partie à la fois de la prise en charge, mais d'un test, ce qu'on appelle thérapeutique, donc voir si c'est efficace, c'est l'essai des traitements dans les douleurs, des traitements antidouleurs, des traitements hormonaux et évidemment l'essai de traitements chirurgicaux. Alors, quelle est ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire la probabilité de retrouver de l'endométriose? Ici, c'est des études qui ont été faites chez les adolescentes, mais on peut l'extrapoler chez toutes les femmes. On sait, comme je vous l'ai dit, que 5 à 10% des femmes présentent de l'endométriose. Maintenant, ça ne veut pas dire que 5 à 10% des femmes souffrent de l'endométriose. Par contre, si on prend l'optique des douleurs pelviennes, c'est-à-dire des douleurs qui sont présentes depuis plus de 6 mois, eh bien, chez les patientes qui ont des douleurs depuis plus de 6 mois, on sait qu'on peut retrouver de l'endométriose chez 25 à 38% d'entre elles. C'est-à-dire un gros tiers des patientes qui ont des douleurs chroniques vont avoir de l'endométriose. Chez ces patientes qui ont des douleurs chroniques et chez qui on essaye un traitement médical, on va donner des antidouleurs, on va donner des traitements hormonaux pour essayer de les soulager de leur souffrance, mais en cas d'échec de ces traitements, on va augmenter la probabilité de retrouver de l'endométriose et ça peut monter jusqu'à 3 femmes sur 4 qui se plaignent de douleurs réfractaires à un traitement médical peuvent présenter de l'endométriose. Et enfin, on sait que chez les patientes qui consultent pour infertilité, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à débuter une grossesse dans l'année qui suit l'essai d'une grossesse, mais on retrouve de l'endométriose dans 50% des cas. Alors j'insiste qu'on retrouve de l'endométriose dans 50% des cas, mais ça ne veut pas dire que l'endométriose explique l'infertilité dans 50% des cas. Et ça ne veut pas dire non plus que l'endométriose explique toutes les douleurs pelviennes. Alors, quelques photos des lésions d'endométriose. Vous avez la petite zone blanche à droite au milieu qui est un ovaire. Et vous voyez, quand on ouvre l'ovaire et qu'il y a un kyste à l'intérieur, vous voyez ce liquide chocolat qui sort de l'ovaire. Et c'est vraiment un aspect de chocolat fondu. Et c'est la paroi du kyste qu'on va devoir traiter pour préserver l'ovaire. Vous voyez, en haut à gauche, avec des petites flèches, un ovaire normal qui est bien mobile, qu'on bascule comme une balançoire, pardon. Et il peut y avoir des petites taches blanches au niveau de ce péritoine qui sont ces lésions d'endométriose et qui sont très fines. Ça, c'est les lésions qu'on ne voit qu'en faisant une chirurgie, qu'en faisant une laparoscopie. Tant qu'on n'a pas fait une laparoscopie, on ne voit pas ce type de lésions. Et puis, vous avez des lésions un peu plus épaisses, parfois un peu plus noires, qui se retrouvent au niveau du péritoine à d'autres endroits. Et les lésions d'endométriose profonde qui engendrent ces adhérences, qui fait que c'est les ovaires, les structures sont collées l'une à l'autre et peuvent être responsables de douleurs, comme j'ai dit, et d'infertilité. Alors,
Juste pour vous expliquer comment on fonctionne en médecine sur le niveau de preuve, sur la fiabilité de ce qu'on peut dire ou ne pas dire, ou pondérer quand on explique à une patiente ce qu'on peut établir comme lien entre une symptomatologie et une pathologie, on a 4 niveaux de preuve en médecine. Le niveau le plus bas de preuve, c'est le niveau D ou le niveau 4, c'est une réunion d'experts. C'est quelques experts qui se réunissent autour d'un verre et qui vont décider ensemble de dire, voilà, mon avis, je pense que devant un kyste, il faut faire telle ou telle prise en charge. Ça ne se base sur aucune étude, mais sur un avis de quelques experts. Et puis, on a un niveau C, qui est le niveau 3, qui est une étude, en fait, ce qu'on appelle observationnelle. C'est-à-dire qu'on va observer des choses et on peut établir peut-être un lien. Par exemple, vous baladez dans la forêt, vous avez un lac, vous voyez 5 canards et un canard est blanc. Alors, vous savez tous que 20% des canards ne sont pas blancs. Mais si vous faites cette seule observation, vous allez en déduire que 20% des canards sont blancs. Donc ça, c'est juste une étude observationnelle. Et puis, vous avez le niveau B, vous avez le niveau 2. Là, vous allez observer un nombre important de patientes. Vous allez prendre un groupe important de patientes à qui on va proposer un traitement, on va voir l'efficacité de ce traitement, et on va le comparer à un autre groupe de patientes chez qui on n'a pas donné de traitement. Mais ces deux populations sont totalement différentes. Si vous me posez la question à moi, combien de patientes que je vois en consultation ont de l'endométriose, je suis proche de 90%. Pourquoi ? Parce que toutes les patientes viennent me voir pour avoir un avis sur l'endométriose. Mais si elles vont voir mon collègue qui s'occupe du prolapsus gynécologique chez la femme ménopausée, il va vous dire, moi je vois que 1% de patientes qui ont de l'endométriose. Il y a un biais de sélection, il y a un biais de recrutement. Et le niveau le plus haut en termes de fiabilité des études, c'est ce qu'on appelle les études randomisées, en double aveugle. Ça, c'est des études où on prend un groupe de patientes et de manière totalement aléatoire et non connue des patientes et des médecins, on va leur donner un traitement à comparer à une absence de traitement qu'on appelle le placebo. Et on va voir l'efficacité de ce traitement. Ça, c'est le niveau 1, c'est le niveau le plus élevé dans lequel on peut se baser pour tirer des conclusions. Alors, voici une des études les majeures dans l'efficacité du traitement chirurgical de l'endométriose dans la fertilité, et ça va vous montrer ses limites aussi. Donc, on a pris des couples chez qui il y avait un problème de fertilité depuis un an, donc il y avait un problème d'infertilité, et on a réalisé une laparoscopie, une célioscopie, et on a mis en évidence de l'endométriose. Et ces patientes étaient d'accord de participer à l'étude et de dire, voilà, on tire au sort. Un groupe de patientes bénéficiait du traitement chirurgical de l'endométriose. C'est le groupe où vous voyez laparoscopic surgery, c'est-à-dire qu'on a traité l'endométriose chirurgicalement. Et puis l'autre groupe, en dessous, diagnostic laparoscopie, on a juste fait un diagnostic. On a prouvé qu'il y avait de l'endométriose, mais on ne l'a pas traité. Et on a regardé quelles étaient les probabilités de grossesse par la suite. Et c'est ce que vous voyez dans le temps, en termes de semaines, on a regardé sur les 36 semaines qui suivaient. Dans le groupe de patientes où on n'a pas traité l'endométriose, il y avait 17% de probabilité de grossesse au bout de 36 semaines. Dans le groupe où on avait traité l'endométriose, il y avait 30% de grossesse dans les semaines qui suivaient. Ça veut dire que même si vous avez de l'endométriose, vous pouvez tomber enceinte, il y a peut-être un peu moins de chances. Le fait de traiter l'endométriose chirurgicalement va augmenter vos chances de grossesse, mais vous voyez qu'il faut rester humble en tant que chirurgien, parce que vous avez encore 70% des couples qui n'auront pas de grossesse et pour lesquels on n'a pas d'explication. Donc même quand on trouve de l'endométriose, on n'a pas toujours une explication à ce pourquoi il n'y a pas de grossesse. L'effet placebo a un rôle majeur dans la douleur et dans l'évaluation. Et c'est pour ça que le fait de faire des études randomisées où on sélectionne les patients et on les traite de manière aléatoire sont les meilleures études pour pouvoir objectiver l'efficacité de ces traitements. Je vous montre ici, vous regardez la ligne du haut et les couleurs, c'est un nouveau traitement qui sera disponible, j'espère, dans l'année. C'est un traitement qui induit la ménopause, mais sous forme de comprimés. Il existe des traitements connus sous forme d'implants, mais ici, c'est des comprimés qui induisent la ménopause. Or, la ménopause, c'est une absence complète d'hormones. Donc, s'il n'y a plus d'hormones, alors que l'endométriose est hormonodépendante,
ben on s'attendrait à ce qu'il n'y ait plus d'évolution de l'endométriose et plus de symptômes de l'endométriose. On donne ce traitement au groupe d'une étude randomisée. Il y a un groupe placebo, c'est le groupe vert, donc qui ne reçoit quelque part un comprimé, mais dans lequel il n'y a rien du tout. Il y a le groupe mauve qui reçoit une petite dose de ce traitement de ménopause, et il y a le groupe bleu qui reçoit la dose optimale qui induit la ménopause. Et vous voyez qu'il y a déjà une diminution, c'est de 20% des douleurs, dans le groupe qui reçoit le placebo. Il y a une diminution de 50% des douleurs pour le groupe qui reçoit un traitement suboptimal, et il y a 75% de diminution des douleurs dans le groupe qui reçoit un traitement de ménopause complète, dans les douleurs typiques, dites typiques de l'endométriose, qui sont des dysménorrhées, c'est-à-dire des douleurs au moment des règles. Donc ça veut dire que l'effet placebo fonctionne quand même pour 20%, et ça veut dire aussi que malheureusement 25% des femmes auront encore des douleurs malgré ce traitement. Mais ça veut dire que grâce à ce traitement, 50% des femmes auront un bénéfice en termes de diminution de douleur. Alors quand on évalue à votre droite l'efficacité de ces traitements sur des douleurs non menstruelles, donc qui ne sont pas liées au cycle menstruel, on voit que la différence d'effet entre ces traitements est plus limitée. Donc ça veut dire aussi, ça reflète l'extrême diversité des symptômes que peut, ou pour lesquels l'endométriose peut être associée. Et ça, ça révèle l'importance d'une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut faire l'acceptation du fait qu'un seul traitement ne peut être pas suffisant pour traiter toutes les patientes. Je vous ai repris ici les recommandations justement d'une société d'experts qui est la Société européenne dans la prise en charge des douleurs associées à l'endométriose. Et vous voyez qu'il y a une prise en charge à gauche par des antidouleurs classiques, des antidouleurs extrêmement variés. Et puis il y a la place pour un traitement hormonal, qui va induire parfois une absence de règles, parfois jusqu'à induire un traitement de ménopause de manière transitoire, et puis il y a une place pour une chirurgie. Mais je vous ai montré que tous ces traitements peuvent ne pas être suffisants dans la prise en charge de ces patientes, et donc il faut y associer d'autres solutions. On sait qu'évidemment, si vous avez de l'endométriose située au niveau de l'intestin, vous allez avoir plus de risques, de probabilité d'avoir des symptômes intestinaux. Si vous avez des lésions qui se trouvent au niveau de la vessie, vous avez plus de probabilité d'avoir les symptômes au niveau de la vessie. Mais globalement, il n'y a aucune spécificité entre les douleurs et l'endométriose. Vous pouvez avoir une douleur à gauche et avoir un kyste à droite. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile d'établir une classification d'endométriose. Souvent, les patients demandent quel stade j'ai. Alors souvent, on peut avoir un stade 1 ou un stade 4, mais qui n'est pas du tout corrélé à l'importance des douleurs ou à l'importance ou à l'impact sur la fertilité. Et je dis souvent, petite douleur ne veut pas dire petite endométriose, et les patientes qui viennent avec des énormes kystes d'endométriose et qui se demandent pourquoi on veut les opérer, parce qu'elles n'ont pas de douleur. Donc la difficulté à laquelle nous on fait face, c'est qu'il n'y a pas de corrélation systématique entre les symptômes et la localisation des douleurs, et ça fait que on parle d'énormément de traitements médicaux qu'on peut essayer, mais aussi du côté droit, énormément d'alternatives qu'on peut essayer en termes d'efficacité sur le système neurologique, sur le système neuromusculateur, et donc par la physiothérapie, on y reviendra et ça peut faire partie des discussions, mais aussi d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sexologique, sur les répercussions que peuvent avoir ces symptômes et sur aussi les pertes de confiance que peuvent avoir ces patientes par la non-efficacité de ces traitements chirurgicaux, voire des traitements hormonaux. Et tous ces symptômes, l'anxiété, le stress, la dépression, la culpabilité, et on en a évoqué sur la culpabilité d'avoir des douleurs au moment des règles, d'avoir ce diagnostic d'endométriose, eh bien ça engendre un cercle vicieux, surtout qu'on est parfois confronté à un manque de reconnaissance des symptômes, un manque de reconnaissance de la pathologie, voire de sa prise en charge, qui peut être parfois aléatoire. Et donc, c'est une étude qui a, chez les patientes qui avaient bénéficié d'une chirurgie, mais elles ont non seulement bénéficié d'une chirurgie, mais associé à une prise en charge de physiothérapie, de kinésithérapie, d'aide sur l'alimentation, d'intervention, ce qu'on appelle psychoéducative. Et qu'est-ce qu'on a montré chez ces patientes? Eh bien, qu'avec cette prise en charge, à la fois, je vous ai dit, chirurgicale, à la fois physiothérapie, à la fois dans l'alimentation, voir si on pouvait faire des régimes, donc supprimer certains aliments, parfois donner des compléments alimentaires,
parfois agir sur des points douloureux en physiothérapie, parfois agir, et c'est la première fois en tout cas personnellement, je teste des médicaments neuromodulateurs dans l'endométriose, on se rend compte que l'endométriose peut avoir des effets neurologiques même au niveau cérébral, et donc cette prise en charge multiple montre que en dehors de la chirurgie, vous voyez que les patientes qui présentent des douleurs peu importantes à gauche et des douleurs plus importantes à droite, eh bien, celles qui ont bénéficié de cette prise en charge multidisciplinaire qui sont les barres Bordeaux, eh bien, voient une nette diminution des douleurs par rapport à celles qui ont juste eu une prise en charge chirurgicale, mais pas une prise en charge multidisciplinaire qui sont les barres bleues. Et donc, l'importance, non pas d'avoir un bon chirurgien, mais d'avoir une bonne équipe multidisciplinaire pour prendre en charge ces patientes qui présentent de l'endométriose. Alors, la dernière chose, c'est quand même un message d'espoir. J'ai vécu depuis quelques années une phase où on a beaucoup parlé d'endométriose, une phase où on a beaucoup moins parlé d'endométriose. Et je pense que c'est important, vous les patientes, vous la population, que vous relevez l'importance de prise en charge, de donner des moyens à notre société, des moyens médicaux, des moyens autres médicaux, paramédicaux de la prise en charge et d'associer cette recherche et d'augmenter l'efficacité et l'efficience de la prise en charge des patientes. Alors, honnêtement, les Français vont souvent un peu plus vite. Ils ont aussi plus de gouailles. Ils aiment bien parler, ils aiment bien râler, les Français aussi. Mais ça a parfois un côté positif. Et donc, ils ont essayé d'adopter un nombre de recommandations, je ne vais pas toutes les lire, mais sur la nécessité d'avoir des centres experts, d'avoir une information sur l'endométriose, d'avoir une communication, d'établir des registres nationaux sur l'endométriose. À un moment donné, vous savez, on parlait de l'incidence d'endométriose, c'était entre 2% et 40%. Donc, il n'y a aucun registre d'endométriose en Belgique sur l'incidence exacte de l'endométriose en Belgique. L'Académie nationale de médecine française a aussi plaidé pour une reconnaissance de l'endométriose comme nécessité d'une cause nationale, donc d'être reconnue comme une pathologie, de créer, je vous ai dit, un observatoire et un registre de cette pathologie et un label spécifique des centres de référence pour que les patientes puissent aller vers des centres qui vont prendre en charge toutes les étapes de l'endométriose. Ça ne veut pas dire qu'il faut un seul centre pour prendre en charge toutes les patientes. Non. Moi, je ne vais pas opérer toutes les patientes qui ont de l'endométriose en Belgique ou au Luxembourg, et ce n'est pas du tout ça le but, mais c'est pouvoir adapter la prise en charge en fonction du type de pathologie que vous avez et surtout de ce pourquoi vous venez. Parce que souvent, les patientes viennent en consultation en me disant « je viens vous voir pour l'endométriose » et je leur dis « moi, ça ne m'intéresse pas ». Ce qui m'intéresse, c'est comment on a diagnostiqué l'endométriose. Est-ce que c'était de manière fortuite, lors d'un contrôle, ou est-ce que vous avez de la douleur, ou est-ce que vous avez un problème d'infertilité ? Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est de soulager la souffrance. La pathologie, on peut parfois vivre avec, mais ce qu'il faut soulager, c'est la souffrance. Il faut que ces patientes puissent être enceintes. Il faut que ces patientes puissent avoir une diminution de leur perception douloureuse et avoir une vie la plus normale possible. Et il n'y a pas que la chirurgie pour y arriver. Il y a toutes ces recommandations. C'est le travail aussi des centres experts de communiquer entre centres experts, de communiquer avec les patientes, de promouvoir l'information des patientes et de s'organiser. Et croyez-moi, on a encore beaucoup de progrès à faire en Belgique comme au Luxembourg. Dans les critères de reconnaissance des centres experts, lisez pas tout, mais je pense qu'il y a des points importants à vous communiquer. Il y a un, évidemment, on doit faire de la recherche. On doit s'enregistrer. On doit publier nos résultats. On doit dire aussi ce qui est bon. On doit dire aussi les complications que l'on a, parce que l'endométriose est grevée de complications. Mais on doit aussi promouvoir la recherche. Et quand vous allez dans des centres de référence, quand vous allez dans des centres dits experts, quand on vous propose de participer à des études, c'est aussi une marque de qualité. C'est-à-dire qu'on a envie de faire progresser les choses. Et vous êtes tout à fait libre de refuser de participer à ces études. Mais sachez que c'est important pour faire avancer les connaissances. Et c'est une marque de qualité des centres experts. Et donc, je vous encourage, en tout cas, à vous informer. Si on vous propose ce genre d'études, que ce soit tester un médicament, que ce soit tester une technique, et quand on teste une technique, croyez-moi, il n'y a pas de firme pharmaceutique derrière. Il n'y a aucune firme qui va sponsoriser une technique comme on le fait avec d'autres équipes qui utilisent le laser en Belgique. On n'a pas de moyens, mais on demande aux patientes, est-ce que vous voulez participer à ces études ? Parce que ça fera avancer nos connaissances, justement par les études de niveau 1, sur ce qu'on peut proposer ou ce qu'on pense qui est mieux qu'on pourrait proposer demain à nos patientes. Donc, j'encourage et je vous encourage à participer à ces études.
La dernière bonne nouvelle, vous en avez peut-être entendu parler, c'est des tests de diagnostic de l'endométriose sans passer par la chirurgie et par les micro-ARN. Alors, je fais un vaste résumé. Les micro-ARN, c'est des petits bouts d'ARN. Donc, vous savez qu'on a l'ADN qui est dans le noyau, qui est notre patrimoine génétique. Il va transmettre son patrimoine via l'ARN messager pour arriver à la protéine, à l'expression en fait, du produit fini. Et vous savez, comme moi, que bien connaître quelqu'un, c'est analyser ses poubelles. Quand on analyse les poubelles de quelqu'un, on sait comment il vit, comment il mange, on sait ce qu'il produit. Et les micro-ARN se baladent dans notre corps et sont une sorte de dégradation de poubelles qui sont le reflet de l'activité de l'ADN. On le retrouve dans le sang, on les retrouve dans les urines, dans tout ce qu'on élimine, et dans la salive. Et quand on analyse ces micro-ARN, on va voir des micro-ARN qui sont parfois en dose anormalement haute, ou des micro-ARN en dose anormalement basse, chaque fois pour un critère particulier. Et ça va nous donner un certain profil. Donc on va analyser ces micro-ARN dans le sang, dans la salive, dans les urines, et on va le comparer à des patientes qui ont de l'endométriose et des patientes qui n'ont pas d'endométriose. Et ça a donné ce test relativement facile. Il suffit de mettre un petit peu de salive dans un tube et on envoie le tube au laboratoire et on va analyser ce profil de micro-ARN. Et cette analyse va permettre, en fait, de déterminer un certain profil qui peut correspondre à la présence d'endométriose ou à l'absence d'endométriose. Et cette première étude française, qui a été faite récemment, a montré que dans une population où il y avait 75% de patientes qui présentaient de l'endométriose, ce test avait une extrême spécificité, c'est-à-dire pouvait détecter 96% des patientes qui avaient de l'endométriose avaient ce test positif, sans devoir être opérées. Le bémol, c'est que vous voyez que c'est une population qui était, dont la présence d'endométriose était très élevée, c'était 75%. C'est aussi plus facile parce que l'endométriose était certaine, puisqu'il y avait une imagerie qui prouvait qu'il y avait de l'endométriose. Donc ça doit être confirmé par d'autres études, mais ça veut dire qu'on a de plus en plus de possibilités de faire un diagnostic non-invasif, donc sans recourir à la chirurgie, pour prouver qu'il y ait de l'endométriose ou qu'il n'y ait pas d'endométriose. Et donc, même si ce test n'est pas encore disponible, il faut encore voir quel sera son coût, souvent comme les tests, je pense que c'est de nouveau des portes d'avenir. Moi, j'ai vécu, on m'a appris, on m'a enseigné qu'il n'y avait pas de test diagnostique pour mettre en évidence l'endométriose. Le seul moyen, c'était de faire appel à un chirurgien. Eh bien voilà, je ne suis pas encore à la retraite, que ce qu'on m'a enseigné est faux ou presque faux à l'heure actuelle. Et donc, c'est remettre en question, si vous voulez, ce qu'on apprend, et qui permet de se reposer les mêmes questions et de faire avancer les choses. Alors, la dernière chose, et ça, c'est pour insister sur le fait que c'est vous, c'est notre société, c'est les patientes, c'est les associations de patientes qui doivent faire bouger les choses. Ici, c'est sur les critères de qualité des centres experts. Et il faut être totalement transparent d'un point de vue médical pour accepter, si vous voulez, cette auto-évaluation et cette publication, puisque vous avez vu que c'est fait par des journalistes du Point, qui font, je ne dis pas chaque année, mais régulièrement, un classement des centres qui se disent experts en France. Et une des références, c'est Horace Roman à Bordeaux, qui développe le traitement de l'endométriose depuis plusieurs dizaines d'années, on va dire, et qui a associé dans son centre expert des critères comme la durée de séjour, le fait de réaliser une grande majorité, 97% des chirurgies par la paroscopie, mais aussi d'associer ce caractère multidisciplinaire avec une clinique de la douleur, un encadrement par des psychologues, par des sexologues, par des diététiciennes, par des kinésithérapies, de faire des réunions multidisciplinaires pour s'assurer que tout le monde, d'un point de vue médical et paramédical, donne son avis, et d'y associer aussi ce qu'on appelle la préservation de la fertilité, puisque vous savez que malheureusement, la chirurgie ou l'endométriose peut avoir des impacts sur la fertilité, et que chez les patientes jeunes qui n'ont pas encore de désir de grossesse, ça peut hypothéquer leur avenir et donc leur proposer de congeler des œufs par des techniques de procréation médicalement assistée et leur donner cette possibilité-là, même si malheureusement, en tout cas, ce n'est pas remboursé. Mais j'espère qu'en faisant bouger les choses et en motivant nos politiques, on pourra un jour dire ou accéder au remboursement pour ces techniques de préservation de fertilité, pour chez les patientes, en tout cas, qui présentent de l'endométriose. Et je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde dans la reconnaissance de cette pathologie. Je vous remercie pour votre attention.
Alors, un grand merci à M. Skiflet. On va commencer maintenant avec la table ronde. Alors, avant de commencer, je voudrais bien vous répéter tout de même encore une fois les noms de nos invités. Alors, vous venez d'écouter M. Skiflet, qui pratique auprès des cliniques universitaires Saint-Luc. On a encore Mme Susanne Hilt, qui est naturopathe à Merzig, en Allemagne. M. Stiber, qui travaille auprès de la clinique Bollaire au Luxembourg. Et à la fin, Mme Anne-Marie Antoine, qui est psychologue auprès du planning familial. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de perdre quand même quelques mots sur le fonctionnement de mes questions. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez déjà entendu, parce que Mme Laborier-Safran a expliqué comment la conférence était préparée, avec un meeting avec environ 30 personnes. Et là, moi, j'ai collectionné des citations qui ont structuré mes questions pour les poser à la fin aux expertes et experts. Et là, c'est déjà les débuts avec une phrase ou une citation qui est assez bien connue, je dirais. Excusez-moi, je voudrais bien commencer par une question au public et après on va commencer avec les questions aux experts et experts. Qui a déjà une fois entendu de l'endométriose avant la conférence? Ah, ça, c'est bien impressionnant. Merci beaucoup. Parce que là, j'ai fait le choix de prendre une citation qui est une réponse assez souvent lorsqu'une personne concernée dit quel est son diagnostic. Lorsqu'elle raconte « j'ai l'endométriose », les personnes m'ont raconté que souvent la réponse, c'est plutôt « oh, c'est endo quoi ?»« endovat ?» Et excuse-moi. Est-ce que les traducteurs peuvent parler une fois seulement pour faire un test? Ah, maintenant ça fonctionne. Excusez-nous. Alors, c'est pas vraiment une citation, mais c'est plutôt un mot composé, mais il est probablement assez fréquent. Et comme ça, tenant compte du fait que la durée moyenne des premiers symptômes jusqu'à la diagnose médicale, on a encore des problèmes techniques sur scène. Excusez-nous, est-ce qu'il y a une personne qui peut nous aider? Parce que sur le moniteur, on entend la traduction. Je peux chanter la mélodie de Jeopardy, si vous voulez, ou danser un peu. Dès que le problème soit... Merci beaucoup. Permettez-moi de répéter ma dernière phrase. Tenant compte du fait que la durée moyenne des premiers symptômes jusqu'à la diagnose médicale définitive est en moyenne plus de 5 ans, il y a lieu de se poser la question si le corps médical et paramédical est assez sensibilisé au sujet. Là, je veux poser la question à toutes et tous. Pour vous, quelle était la première prise de conscience de l'endométriose? Était-ce plutôt un sujet abordé en théorie lors de vos études, ou est-ce que c'était plutôt une diagnose réelle avec une personne devant vous qui vous a poussé à approfondir vos connaissances sur le sujet? Peut-être parce que vous êtes à côté de moi, je voudrais commencer avec vous. Le début, comme on a vu, est assez difficile parfois, mais... Voilà, oui, ça marche. Merci. En fait, dans les études de psychologie, c'est un sujet qui n'avait pas été abordé.
plus dans mon cursus en sexologie, où là, justement, on pouvait aborder un petit peu les difficultés sexuelles vécues par les personnes qui souffraient d'endométriose. Mais c'était très, très limité. C'était un sujet un petit peu abordé, entre guillemets, vite fait, bien fait. Et donc, je pense, comme beaucoup de mes collègues, c'est il y a plus ou moins une vingtaine d'années, une patiente que j'ai reçue et qui, au détour des consultations, qui n'est pas venue pour ce problème-là, qui est venue pour un parcours de vie difficile, elle était en instance de séparation. Elle avait adopté 2 enfants. Et à un moment donné, elle a pu me faire part de ce parcours difficile qu'elle avait connu. Et je me rappelle, ce qui m'a le plus touchée, c'était son grand sentiment de solitude, que ce soit par rapport aux professionnels de santé, mais également par rapport à son mari et son entourage familial ou amical. Et donc, toute cette souffrance, elle disait qu'elle l'avait un petit peu gardée pour elle, qu'à un moment donné, elle finissait par se dire qu'elle exagérait, qu'elle en faisait trop, qu'elle devait un peu apprendre à se calmer, à minimiser son ressenti. Et donc, là, on se rend vraiment compte de la détresse physique, de la souffrance physique, mais de la souffrance également psychique, sociale, familiale, relationnelle, sexuelle, des personnes qui souffrent de cette situation. C'est pour ça qu'on va revenir sur ce sujet-là dans un quart d'heure, j'irai. Monsieur Stubert, pour vous, c'était quoi la première confrontation ? J'ai eu la chance d'être à la même université que professeur Skiffley, et c'était le dada de notre patron. Donc finalement, on était très tôt confrontés à l'endométriose, où on était un centre de référence européen. C'était toujours un centre d'intérêt majeur aussi dans la recherche. Et voilà, je pense que nous deux, on était de même étudiants-chercheurs chez professeur Donnet à l'époque, justement sur l'endométriose. Donc, on était vraiment dans le bain de cela. Et c'est vrai que voilà, ça nous a un peu accompagnés dans toute notre vie professionnelle. Merci. Frau Hild, können Sie... Madame Hild, vous m'entendez ? Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment vous avez entendu parler pour la première fois de l'endométriose ? Est-ce que c'était pendant votre formation ? Parce que vous êtes infirmière aussi de formation, vous avez fait plusieurs formations. C'était quoi votre première confrontation avec l'endométriose ? Pour la première fois, c'était pendant ma formation d'infirmière. Il y avait des patientes qui venaient nous trouver pour une prise en charge de l'endométriose. Et puis, pendant tout un temps, j'en avais moins à faire. Et puis, lorsque j'ai fait ma formation de naturopathe, je me suis spécialisée dans ce domaine. Et il y avait donc cette médecine reproductive. Et on a aussi abordé la médecine chinoise traditionnelle. Et il y avait plusieurs patientes qui voulaient avoir un enfant et qui sont venues me trouver avec leur diagnostic d'endométriose, qui souffraient de règles douloureuses, qui sont venus me trouver. Et c'est à ce moment-là que voilà, j'ai commencé à traiter ce sujet plus en profondeur. Donc c'est vraiment un processus en continu. Oui, tout à fait. Pour vous, c'était quoi la première rencontre ? Vous venez déjà de le raconter un peu, mais est-ce qu'il y a peut-être même une anecdote ou une confrontation avec l'endométriose au début dans les études qui vous a... Donc, comme on l'a dit, c'est vrai que je suis né dans l'endométriose. Par contre, je confirme ce qui a changé dans la perception et ce qui doit changer dans la perception, c'est que ce n'est pas une présentation unique. Il n'y a pas de solution unique et universelle pour toutes les patientes. Et on s'est rendu compte, et c'est ça qui pose énormément de questions d'un point de vue recherche, d'un point de vue médical. Où on s'est dit, on a observé qu'il y avait vraiment une connexion entre l'endométriose et les nerfs,
Et donc, le fait de devoir associer, de refaire des recherches et devoir impliquer plusieurs membres, je dirais, thérapeutiques pour pouvoir aider ces patientes. Parce que, comme on l'a très bien dit, des patientes parfois n'expriment pas ou n'osent pas exprimer. Et c'est vrai qu'au début de mes études, moi, je pensais que la chirurgie allait tout traiter, tout solutionner. Et on s'est très vite rendu compte qu'il fallait des psychologues dans les équipes, que maintenant, il y a des kinés qui viennent nous voir. Et j'ai des kinés qui me disent, ça ne marchera jamais. Je dis, mais il faut essayer, il faut aider, il faut proposer. Il y a les patientes qui vont accrocher les kinés, les patientes qui vont accrocher les diététiciennes, il y a les patientes qui vont accrocher les psychologues, les sexologues, parce qu'elles souffrent et elles ne l'expriment pas. Elles ne l'expriment pas, comme on l'a dit, rien qu'à la famille. Imaginez la souffrance, enfin, si vous êtes là, c'est que vous êtes sensibilisé, mais la souffrance d'une femme qui n'arrive pas à être enceinte, qui a des douleurs au moment des rapports, qui n'est pas écoutée par un médecin, qui n'est pas écoutée par son mari et la famille, mais c'est une souffrance immense et qui peut amener à des divorces, à des séparations et donc à une solitude encore plus prononcée. Et ça, on le ressent. On peut malheureusement, moi en tant que médecin, pas toujours y répondre. Je suis pas un expert dans ce domaine-là. Et c'est de nouveau une prise en charge multidisciplinaire qui doit être valorisée. On va aussi revenir sur ça. Merci beaucoup. Alors on continue avec la prochaine citation. À mon avis, c'est une citation assez dure. Je remercie la personne qui l'a prononcée lors du meeting qu'on avait. L'autrice de la présente citation a subi un parcours assez lourd, l'amenant d'un médecin vers un autre, sans diagnose claire. Pour citer, à titre d'exemple, une des questions qui lui était posée par une gynécologue était « Mais pourquoi est-ce que vous désirez être malade ?» Comment vous qualifieriez cette question ? Et ceci est un indicateur de qualité pour la relation entre les patientes, patients et le corps médical. Peut-être je reviens encore une fois sur vous, M. Skiffley. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Mon conseil, si un jour on vous dit ça, c'est de dire au revoir à cette personne et de ne plus jamais la revoir. Et surtout se dire que c'est comme en amitié, c'est comme dans la famille, il faut chercher quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider, qui va comprendre votre souffrance et qui va pouvoir vous conseiller et vous aider. Après, il faut être humble de notre côté aussi. On n'a pas de solution miracle. Mais déjà, l'écoute et la reconnaissance est une étape importante. Et même si j'arrive parfois à une conclusion en consultation en disant voilà, je pense que je ne peux pas vous aider, je n'ai pas de solution moi chirurgicale, mais je vous propose ça, et les patientes me disent à la fin, elles me disent merci de m'avoir écouté. Et si elles disent ça, c'est qu'on ne les écoute pas. Merci. Frau Hild. Alors, vous avez entendu la citation. D'après vous, qu'est-ce que cela dit par rapport à cette relation entre les patientes, les patients et le médecin? Vous ressentez quoi quand vous lisez cela? Eh bien, il faut de la confiance entre le médecin ou le thérapeute et les patientes. Dans mon cabinet, j'ai souvent des patientes qui arrivent avec ce diagnostic, surtout les patientes auxquelles on a dit « je ne peux plus rien faire pour vous », qui viennent me trouver moi et essayent de trouver une alternative, un traitement, une prise en charge alternative. Donc,
Il y a des femmes qui sont venues me trouver avec X tentatives pour tomber enceinte. Il n'y avait plus rien à faire et elles ont tout simplement raconté. Et rien que le fait de les écouter, cela leur a déjà fait du bien. Donc d'avoir un interlocuteur qui ne pose pas forcément de questions, mais qui peut enlever donc cette pression de la souffrance. Et cela aide déjà beaucoup. Donc d'avoir quelqu'un qui comprend, c'est déjà quelque chose de très important pour les femmes. Oui, voilà, donc nous avons la pandémie, pas vraiment derrière nous, c'est un peu menti, parce que nous savons que le côté médical, le secteur médical était vraiment débordé et il n'y a pas eu toujours cette gratification. Donc, d'après vous, l'expérience en tant qu'infirmière dans ce contexte, mais maintenant vous avez votre cabinet à vous, est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus de temps que vous pouvez passer donc avec les patientes, donc du temps que vous n'aviez pas dans votre quotidien d'avant? Oui, absolument. Donc cela fait plus de 12 ans que je ne travaille plus en tant qu'infirmière. Donc il y a 15 ans, je me suis lancée comme indépendante, mais une fois par semaine, je travaille encore dans le secteur palliatif. Et donc je vois vraiment cette différence entre le temps qu'ont les infirmières pour les patientes et le temps que moi, je peux prendre pour mes patientes. Donc dans la vie de tous les jours, dans les cliniques, cette interaction avec les patientes est vraiment différente. Donc on n'a pas assez de temps. Donc, en tant qu'infirmière, on ne peut pas avoir assez de temps pour les patientes. On n'a pas assez de temps à leur accorder, malheureusement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Stieber. Vous... Clinique, qu'est-ce que vous dites sur la citation? Mais je pense que la première chose, c'est effectivement la confiance entre le patient et le médecin. Et je pense qu'une qualité très importante d'un médecin, c'est d'avoir déjà de l'empathie pour la patiente, de lui croire, de s'intéresser à elle, et de revenir aussi un peu ce qu'on nous a enseigné, où on a toujours insisté, c'est déjà de bien interroger les patients et de les écouter. Et ça, j'ai l'impression, et ça c'est une autocritique aussi à la médecine un peu, on se technise de plus en plus, et cette valeur du contact, de la communication, de l'intérêt pour quelqu'un dans toute sa souffrance, devrait avoir de nouveau un autre poids dans nos relations. Et l'autre chose, c'est qu'il faut définir aussi la médecine d'une autre façon. La médecine, très longtemps, a été définie uniquement sous une vision curative. Il faut guérir les gens. Mais on est dans une approche d'une maladie chronique devant une situation où il faut accompagner les gens. Il faut les soigner dans toutes leurs dimensions. Et je pense que ça prend une toute autre connotation. Merci. À mon avis personnel, dans la vie personnelle, un pardon peut changer beaucoup. Madame Antoine, est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité que parfois un pardon de la partie du gynécologue ou du médecin qui a dit une telle chose pourrait aider, ou est-ce que ça ne va jamais se passer? Mais tout d'abord, personnellement, je voudrais dire qu'une telle phrase est pour moi une réelle violence. C'est, je trouve, inadmissible d'une certaine manière de dire quelque chose de cet ordre à une personne, parce que c'est déjà extrêmement la culpabiliser, lui donner le sentiment qu'elle est en faute, qu'elle ne fait pas quelque chose de bien. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tout le monde a exprimé. Mais je me pose aussi la question si les professionnels de santé au sens large, par rapport à une maladie chronique, ont parfois peut-être des difficultés par rapport à une certaine forme d'impuissance ou d'acceptation de ne pas pouvoir traiter la personne, et que ça développe peut-être des attitudes, je dirais, de responsabiliser la personne, la patiente, de la culpabiliser de façon peut-être inconsciente, hein, je ne dis pas que c'est dans un processus conscient, mais en tout cas ça montre bien la nécessité pour tous les professionnels de santé, pas seulement les médecins, mais d'être apte à se remettre en question, à travailler sur soi, à se dire mais qu'est-ce qui me touche là dans ce type de travail avec des personnes que je n'arrive pas à guérir, à soigner, et ça je pense que c'est parfois totalement manquant.
Mais pour moi, c'est une forme de violence, et comme il y en a beaucoup parfois dans pas mal de situations du parcours médical. Merci. Alors, on vient... Beaucoup de personnes concernées ont raconté que quasi régulièrement, leur entourage prétendait que les douleurs n'existent que dans leur imagination. Pour ces personnes, la diagnose finale était assez souvent, apparemment, un soulagement, puisque la diagnose confirmait la provenance physique de la douleur. Pour vous, ce partage entre la santé physique et la santé psychique, est-ce qu'elle est opportune? Je crois que non. Ou faudrait-il favoriser une approche holistique? Madame Antoine, si vous voulez bien. Oui, vous avez tout à fait raison, et comme je pense, tout le monde l'a bien dit, il faut une approche vraiment multidisciplinaire, dès le départ si possible, parce qu'il y a trop souvent un temps très long qui se passe où la personne est seule avec elle-même, ou dans une absence de diagnostic. Je pense aussi que c'est important de ne pas scinder la personne, de ne pas scinder la personne en une sorte de suprématie du corps, une suprématie de l'esprit, du mental, de la tête, mais vraiment d'aller vers une réunification de la personne dans son ensemble, dans sa globalité, et de définir par rapport à cela l'approche qu'on va mettre en place. Et cette approche doit toujours être holistique, donc centrée sur la patiente ou le patient, dans le sens où ça ne doit plus être, comme bien souvent, le parcours du combattant, où la personne, ben, elle va essayer de trouver des professionnels qui vont l'aider. Ça va être très compliqué, très difficile. Et ben, dans cette approche multidisciplinaire et holistique, ben, je pense que la prise en charge qui sera mise en place ben, sera totalement positive, constructive, et bien sûr que ce n'est pas que dans la tête, et c'est un réel soulagement pour les personnes quand on voit toutes les répercussions que l'endométriose peut avoir, comme on l'a bien dit. Ben, c'est clair que c'est multiple, c'est multidimensionnel, c'est multifactoriel, et il faut se baser là-dessus. Mais la connotation négative des problèmes psychiques, est-ce que ça a changé un peu dans les dernières années? Ou... Non, oui et non. Je pense qu'aller chez un psychologue, sexologue, est une démarche qui est, entre guillemets, beaucoup plus normalisée, si on peut dire. Hein. Mais je pense que parfois, c'est un petit peu l'échappatoire facile, si je peux dire, quand on est un petit peu coincé, quand on sent peut-être impuissant, de dire « vous exagérez » ou « ce n'est que dans votre tête », de s'en sortir par cette pirouette, d'une certaine manière, qui laisse la personne complètement démunie. Et ça, c'est inacceptable aussi. Merci. Monsieur Stibert. Je pense qu'on nous sommes tous d'accord de l'approche multidisciplinaire de cette pathologie et de la patiente concernée, et même du couple concerné ou de la famille concernée, parce que ça concerne tout le monde et ça change la vie de tout le monde dans la famille. Je trouve quand même que la multidisciplinarité, c'est un grand challenge de nos temps pour l'organiser, parce qu'on le voit très clairement si on travaille dans un hôpital. Ben, tous les effectifs sont strictement limités. On a une demi-place de psychologue qui peut juste suivre les gens à l'hôpital. Après, ben, les gens se cherchent un psychologue à l'extérieur, où les accès ne sont pas toujours aisés. Chacun n'a pas forcément toujours aussi l'intérêt dans cette pathologie à suivre, et il s'en suit. Il y a les sexologues, où on a pratiquement presque, enfin très peu sur le Luxembourg, où on arrive à adresser les gens dans des tendus. Donc il y a tous ces facteurs-là, et en plus revient le grand problème de la prise en charge qui n'est de nouveau pas là.
Donc là, si vous adressez quelqu'un à être suivi encore par un psychologue, par un sexologue, dans tout ce domaine-là, et qu'il doit tout payer de sa poche, ben voilà, ça devient du beaucoup. Et je pense aussi que ça devrait être un appel à tous les politiciens. Malheureusement, voilà, le premier est déjà parti. Mais il faudrait que, là aussi, au niveau de la CNS, tout ça change. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune couverture de cela. Et c'est limité à une petite approche hospitalière où on a difficile et on se bat continuellement pour avoir encore un petit effectif pour essayer d'avoir une approche multidisciplinaire dans ces pathologies-là. Et ça devient du très compliqué en ambulant, où justement, et ça c'est le prochain point, un non-remboursement, c'est un non-respect de la maladie, parce que le fait est que vous êtes remboursé pour tout, mais là vous n'êtes pas remboursé. Et ça crée une inégalité sociale aussi, parce que celui qui peut se le permettre peut se laisser soigner de la meilleure façon, et ceux qui n'ont pas les moyens, ben voilà, ils souffrent dans son petit coin. Et c'est souvent ce coin-là qui a encore moins de connaissances ou moins de compréhension pour sa pathologie. Merci beaucoup. Frau Hild. Madame Hild. Also diese Idee. Cette idée de séparer la tête et le corps comme si ce n'était pas en lien, comme si c'était scindé, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a encore cette séparation? Est-ce que l'on est plus crédible en tant que patient si on présente une pathologie physique et pas psychique? De toute façon, je trouve que le vocabulaire est problématique. Je trouve que cette séparation entre corps et esprit, surtout en naturopathie, dans la médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas séparable. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on parle de manière beaucoup plus spécifique de l'endométriose. Le diagnostic est posé tout à fait autrement et une anamnèse longue est favorisée. Et si, par exemple, les patientes ont beaucoup de stress, s'alimentent mal, consomment trop de produits laitiers et qu'il y a donc des problèmes dans le sang, des symptômes de dépression ou autres. Donc, ce qui est important également, c'est l'origine. Donc, si on prend du lierre, par exemple, on peut... En naturopathie, on essaie pas simplement de tailler le lierre, mais d'attaquer les problèmes à la racine, à l'origine. Bon, parfois, on ne trouve pas toujours une origine, mais en médecine traditionnelle chinoise, on essaye vraiment de voir ce qu'il en est, par exemple, dans le sang. Et donc, le mouvement est important, l'acupuncture, des massages peuvent être importants, mais également d'autres thérapies. Et parfois, il faut revoir également ces relations, peut-être un lieu de travail qui cause trop de stress. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir le patient de manière holistique. Donc, dans mon métier, cette séparation, elle est impossible. Merci. Monsieur Skifli, voulez-vous ajouter quelque chose à ça? Oui, je pense que le message important, c'est un de pouvoir, et comme vous l'avez dit, c'est de pouvoir identifier, de mettre un nom sur la maladie. Et ça, c'est différent d'exprimer un symptôme. Il y a une reconnaissance derrière, il y a un besoin d'une reconnaissance. Et l'étape suivante, c'est une reconnaissance de la prise en charge. Et ça, si on demande la reconnaissance de centres experts, c'est parce qu'on veut, comme c'est fait en procréation médicalement assistée, tous les couples qui vont en procréation médicalement assistée, en tout cas c'est un forfait de prise en charge, et il y a des consultations systématiques chez le psychologue. Et pourquoi il ne faudrait pas la même chose pour la prise en charge de l'endométriose, qui est dans ce package de prise en charge, un sexologue, une psychologue, une diététicienne, une kiné, pour au moins informer les patientes sur ce qui peut être utile, ce qui peut être testé. Et ça fait partie de l'information, ça fait partie de la prise en charge. Et sachez que alors, le médical a du boulot à faire sur qu'est-ce qu'un centre expert, mais comme on l'a dit, on a besoin de moyens financiers parce que si on prend en compte le coût que ça représente, mais moi, je n'ai pas de psychologue
ma direction me demande, ça va rapporter combien ? Ben, je ne sais pas, pas beaucoup. Donc, il n'y aura pas de psychologue. Il y a une sexologue, mais elle vient une demi-journée par semaine. Il y a une kiné, mais il y a une kiné, c'est une étudiante qui fait une thèse. Donc, elle vient travailler gratuitement. Donc, on a un manque de moyens derrière parce qu'on a un manque de reconnaissance aussi de la pathologie et de la prise en charge de la pathologie. Et c'est pour ça nous sommes demandeurs de moyens pour pouvoir prendre en charge cette pathologie. On va encore parler de ces demandes. Merci beaucoup à vous. Alors, encore une nouvelle citation. Là aussi, je dirais que c'est une phrase que assez de gens ont déjà entendue. Dans le cadre de ma recherche pour cette conférence, quelques 50 personnes questionnées au sujet m'ont confirmé que le constat global de leur entourage était « Il est pourtant normal d'avoir des douleurs pendant les menstruations. » Alors, quelle est votre opinion sur cette normalisation sociétale de la douleur ? Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quels sont les dangers devant une telle approche, aussi bien pour la personne concernée que pour la société. Est-ce que vous voulez commencer, Madame Antoine ? Ben, à nouveau, je trouve que ça rejoint déjà des choses que nous avons dites, bien sûr. Mais ça touche aussi particulièrement les stéréotypes qui sont un petit peu véhiculés dans notre société par rapport au parcours féminin d'une certaine manière et que bon ben voilà avoir les règles enfanter les problèmes à la ménopause, etc. Au fond, c'est une normalité de souffrir, d'avoir mal. Et si possible, il ne faut pas trop exagérer. Sinon, ben, on risque de tomber rapidement dans un côté un petit peu hystérique. Et donc, qui ne va pas trop bien être vu. Et moi, ce qui me touche surtout, c'est comme dans le tableau qu'on a pu voir, qui, je trouve ça saisissant, de justement partir des témoignages des personnes concernées, parce qu'elles sont plus expertes que nous, les experts, parfois, c'est de se rendre compte à quel point, quand on vous dit ben, c'est normal d'avoir mal, arrêtez, ben, je pense qu'à un moment donné, la personne, ben oui, va se taire. La personne ne va plus oser exprimer qu'elle a mal. Et donc, c'est extrêmement dangereux. Dangereux pour son risque vital, pour son évolution, pour son parcours médical. Et la première chose que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est que les personnes concernées osent continuer à dire « j'ai mal, je souffre ». Et ce n'est pas normal de souffrir comme ça. Et je n'accepte pas de souffrir comme cela. Et comme le professeur Skiflet l'a bien dit, si quelqu'un banalise votre douleur à ce point, ben, il faut essayer de chercher quelqu'un d'autre, il faut essayer de se faire entendre, aller dans des groupes de parole, faire partie d'associations, mais surtout ne pas se taire et ne pas accepter cette réalité. Ça, je pense que c'est très important. Merci. Frau Hild. Madame Hild. Combien de personnes sont venues vous voir en cabinet et qui ont été confrontées à la phrase suivante, c'est normal d'avoir mal. Et qui sont les personnes qui prononcent cette phrase? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que ce sont les compagnes, les compagnons? Que pensez-vous de cette normalisation de la douleur? Quand je demande à mes patients comment se passent tes règles, est-ce que tu as des douleurs, beaucoup de patients me disent « oui, c'est normal, en fait, un petit peu ». Et quand je dis « normal », mais non, ça ne devrait pas être normal, les règles normalement, ça ne devrait pas faire mal. Et les patients ont du mal à me croire et me disent « ah, mais non, mais c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles ». Donc, ce sont souvent les femmes qui le disent. Et je pense que dans notre société, les règles, c'est un tabou. Quand on pense
aux publicités, aux tampons, qu'on peut tout de même tout faire, aller à la piscine en portant des tampons. Mais quand on regarde les peuples auparavant, il y avait des huttes de menstruation. Les femmes étaient prises en charge, elles pouvaient être hystériques. Donc la question de l'hystérectomie est intéressante. Alors, quand on... je pense qu'il faudrait faire passer le message que c'est tout à fait OK d'avoir ces règles, que ça peut être une option que de se retirer un petit peu. Et donc ainsi, cette stagnation dans le sang, cette stase dans le sang ne se produise pas et que c'est tout à fait OK d'avoir des douleurs ou d'être moins en forme, de ne pas être de bonne humeur. Et cela pourrait être accepté. Ou par exemple, le compagnon peut dire « je vais m'occuper des enfants ce soir ». Et je pense que c'est important également de commencer par nous, les femmes. En tant que femmes, il faudrait avoir le droit de dire « je ne me sens pas bien aujourd'hui, j'aimerais me retirer un petit peu » et qu'il ne faut pas absolument tout pouvoir faire quand on a ses règles, s'occuper du travail, des enfants et avoir un physique au top. Merci. Pour les gynécologues, je me pose un peu la question, si vous posez la question à une patiente sur la scale des douleurs, pour savoir est-ce que vous avez beaucoup de douleurs ou moins, c'est quoi votre expérience avec les réponses? Est-ce que là, c'était aussi une réponse des patientes que les douleurs étaient normaux ou non? Parce que le mot normal déjà, pose déjà des complications. Provoque des complications. Je pense que souvent dans la consultation, il y a plein de dames déjà qui parlent de leur douleur lorsqu'ils en ont vraiment. Donc lorsqu'on leur donne la possibilité de parler, ils en parlent. Et sinon, de toute façon, je pense que ça fait partie d'une consultation normale de leur demander comment ça se présente. On sait très bien qu'aussi, si on demande l'importance d'une douleur, c'est très variable d'une personne à l'autre. Et là aussi, il y a un caractère subjectif de la douleur qui est très, très, très important. Mais néanmoins, même si le caractère subjectif est là, eh bien, il faut traiter la douleur subjective de la patiente. On ne peut pas dire, bon, de l'extérieur, ça semble être quand même bien tolérable, donc qu'elle se débrouille un peu, etc. Donc là, et je pense aussi dans notre société, ben, suite à l'évolution de l'humanité, la société s'est adaptée à la douleur de la femme. Si on s'imagine un peu, on est maintenant devant une situation où pour mettre un enfant au monde, on peut avoir appel à une péridurale. Si on réfléchit un peu, il y a 40 ans, les dames n'avaient strictement rien pour le combat de la douleur. Et ils ont continué à avoir des enfants, 2, 3, 4, 5, avec des expériences terribles. On n'a qu'à demander à certaines personnes qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et malgré cela, ben, ils en ont. Et je pense que la société, très longtemps, s'est aussi habituée à ce que les dames sont très résistantes à la douleur. Et d'ailleurs, un bon signe pour moi, c'était jusqu'à 2005, ben, la péridurale n'était pas prise en charge de nouveau par la CNS au Luxembourg. Donc la société pensait que les dames avaient droit à des douleurs, alors que si vous allez chez le dentiste, c'était pris en charge. On rigole, mais bon, voilà, ça montre un peu l'aspect subjectif de la société face à la douleur que vivent les femmes. Et je pense qu'effectivement, c'est bien de se positionner face à cela. Maintenant, est-ce qu'il faut revendiquer des jours libres pour lorsqu'il y a la menstruation? Mais je pense que c'est important d'avoir une certaine sensibilité de cela et de revendiquer aussi des droits suite à être femme. Merci. Alors, monsieur Skiffley, je me pose la question là avec pour trouver des catégories pour faire la recherche. Comment vous faites pour dire c'est une douleur de catégorie 1, 2, 3, 4 ou quels sont les mots? Est-ce que c'est difficile, même dans la recherche, de trouver les mots pour décrire la douleur? Mais enfin, les experts sont les anesthésistes. C'est eux qui évaluent de manière
on va dire, le plus grand professionnalisme et la plus grande habitude, ce type d'échelle. Il y en a plusieurs. Enfin, la plus commune, c'est on demande d'évaluer de 1 à 10 la douleur la plus faible et la douleur la plus immense qu'on pourrait percevoir. Et ça, c'est extrêmement subjectif d'une personne à l'autre. Et dans, comme on l'a dit, dans la normalisation, dans le fait de dire, voilà, c'est normal, ou quelle est la signification de la douleur, l'interprétation de la douleur. Parce qu'on a parlé de la douleur associée aux règles. Mais si on la dissocie des règles, ou si, quelle est l'explication des règles? Notre société a évolué. Avant la pilule, il y a 50 ans, peu de femmes étaient réglées régulièrement, puisqu'il y avait des grossesses, puisqu'il y avait l'allaitement. Donc il y avait des longues périodes d'absence de règles, alors qu'on est passé à un contrôle de quelque part de la fécondité, avec le contrôle de la contraception, avec une pilule qui déclenche des règles totalement artificielles tous les mois. Totalement artificiel. D'ailleurs, la question qu'on pose quand on a des moyens de contraception qui engendrent une absence de règles, mais est-ce que c'est bon? Et je dis aux patientes, mais est-ce qu'une grossesse, c'est bon? Il n'y a pas de règles pendant une grossesse. Donc, c'est la signification que l'on donne aux règles et l'association qu'on en fait avec le fait d'être fertile, le fait de ne pas être fertile. Et de manière anecdotique, j'ai autant des patientes, j'ai une patiente qui était en absence de règles, qui essayait d'être enceinte, et elle n'était pas enceinte parce que ses ovaires ne fonctionnaient pas. Et je lui ai donné un traitement. Et 4 semaines après, elle me téléphone. Elle est en pleurs, pleurs de joie. Elle me dit, je suis dans un supermarché. Ça fait 20 ans que je ne suis pas réglé. Et je cherche les rayons des bandits hygiéniques. Parce que ça coule. Et pour elle, la signification, elle était positive. Parce que ça veut dire qu'elle pouvait être enceinte. Et donc, l'interprétation que l'on fait de ça, et l'interprétation que l'on donne, et donc donner des phrases comme ça, dire « la douleur, c'est normal », non, c'est une interprétation que l'on fait et qu'on doit cesser, et qu'on doit expliquer, dire, exprimer si vous avez un inconfort, et surtout si cet inconfort a un impact, c'est de dire « mais c'est quoi une douleur importante ?» C'est un impact sur votre qualité de vie, sur votre qualité de relation, sur le fait de pouvoir aller travailler, mais sur le fait de pouvoir s'amuser, aller à la natation, faire une activité physique, ça a un impact sur notre qualité de vie, et il faut pouvoir expliquer aux gens, voilà, si vous avez ça, si ça a un impact sur votre qualité de vie, il faut l'exprimer, il faut en parler, c'est pas normal. Et c'est ces informations-là, ces points de repère-là qu'il faut pouvoir donner. Merci. Alors, il me paraît assez important de parler encore de genre. Et là, on a aussi une citation assez intéressante. Si c'était une maladie masculine, on m'a dit qu'à la fin de cette phrase, ou plutôt que cette phrase se termine souvent par « on aurait déjà inventé un médicament miracle ». Ce qui nous mène droit vers le sujet du genre, le sujet important dans cette discussion. Alors tout d'abord, on peut déjà constater dans la composition de notre propre panel les différentes expertises afférentes. Est-ce que vous voyez là, ou est-ce que vous voulez vous-même commenter la répartition des compétences ici dans le panel? Il y avait des gens qui nous disaient qu'il y a une répartition entre hommes et femmes avec les soft skills et les hard skills. Est-ce que ça vous intéresse, ça vous dérange, ou ça n'a pas d'importance? Okay, je peux aussi poser encore la question à Madame Hild. À la fin de son interprétation. Yeah. Ah, dann sage ich es auf Deutsch. Je vais poser la question en allemand. Nous avons reçu des retours en raison de la répartition des genres dans ce panel, parce que les médecins sont des hommes dans notre panel, et les compétences dites soft ou les traitements alternatifs sont ici représentés par des femmes. Donc, est-ce que vous souhaitez commenter ou pas nécessairement? Pas besoin de commentaires. En tout cas, nous avons reçu ce message. Bon, il faut dire que sur la scène gynécologique au Luxembourg, ce sont les femmes qui ont leur mot à dire et qui auraient. Et vous,
Et oui, dans ce panel, vous auriez pu avoir des gynécologues femmes. Bon, souvent, les hommes se concentrent plutôt sur les opérations, les femmes sont plutôt des sages-femmes. Mais d'un point de vue historique, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'hommes dans ce domaine, mais ça évolue. Et je pense que vous voulez commenter. Mais je n'avais pas tout de suite compris la question. Alors, moi aussi, j'ai l'impression que les médecins, ce sont plutôt des hommes et que les femmes sont plutôt des sages-femmes, qu'il y a moins d'hommes. Alors, il y a peut-être ce travail connoté social skills, donc l'accueil, l'écoute, la réceptivité, et puis les sciences plus dures, peut-être encore attribuées aux hommes. Mais bon, je pense que les choses évoluent. Et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, nous pourrons en discuter ensemble si ce sujet vous intéresse en particulier. Les organisatrices sont à votre disposition. J'ai quand même voulu parler aussi des dénominations masculines et féminines qu'il y avait sur le flyer. Parce que le flyer distribué à l'occasion de cet événement stipule qu'en moyenne, une femme sur 10 est concernée par l'endométriose, mais bien sachant que la formulation n'est pas tout à fait correcte, parce qu'elle exclut les trans-hommes et les personnes transsexes, ou même des hommes cis, qui peuvent aussi être concernés. Ce qui m'intéresse avec vos expériences différentes, quelles sont vos expériences avec des personnes, par exemple, transgenres, de votre quotidien professionnel? Et je voudrais bien aussi savoir, est-ce que le corps médical est sensibilisé à la thématique? Madame Antoine, si vous êtes prête. C'est une question complexe. Pour moi, je pense que nous devons tous les professionnels de santé, mais à tous les échelons, même la personne qui va accueillir, j'ai envie de dire, la secrétaire, être sensibilisée aux personnes qui vont être plus vulnérables, plus précarisées, comme vous avez dit aussi, et parce qu'elles elle risque de faire, de recevoir plus, encore plus de commentaires sexistes, de remarques, d'injonctions négatives. Donc, je pense qu'il y a une sensibilisation qui doit être faite pour toutes les personnes fragilisées, mais pour moi, ça inclut bien sûr la communauté LGBTQI+, mais également les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes en parcours migratoire, les personnes qui sont dans la prostitution, les SDF. Donc il y a un nombre important de populations fragilisées qui vont encore être plus fragilisées dans le parcours médical. Et comme vous le disiez aussi, tout le vecteur socio-économique qui fait qu'il y a des personnes qui ne vont pas avoir droit ou la possibilité de recevoir certains soins ou aides. Et là, je pense qu'il y a vraiment une sorte de conscientisation politique qui doit être faite. Et ça passe aussi par une sensibilisation, par une formation. Et donc, comme on le disait aussi, il y a les personnes fragilisées, mais il y a en plus des personnes qui, on pourrait dire, cumulent des facteurs de discrimination. Donc, vous pouvez avoir une personne qui est femme, qui est noire, qui est lesbienne, et qui est en plus obèse. Donc, vous voyez, il y a toute une série de facteurs discriminants qui vont faire que la personne va être encore plus stigmatisée. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un travail énorme à effectuer. Monsieur Stiber. Oui, il y a peu de temps, enfin, j'ai fait ma formation en Allemagne dans un service où on avait à l'époque quelques personnes justement transgender,
Et puis ça s'est perdu un peu au cours des 20 dernières années au Luxembourg. Donc je me suis souvent posé un peu la question où ces gens-là se laissaient suivre, où ils abordaient, où ils osaient se présenter. Parce que je pense déjà, pour quelqu'un, c'est pas évident d'aller dans un cabinet de gynécologie. Et justement, récemment, j'ai eu deux demandes pour faire des interventions chirurgicales. Et voilà, on a fait pas mal de démarches, même à l'intérieur de notre cabinet, pour accueillir ces gens de façon confortable et adaptée. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est comme vous dites, ils sont fragilisés, ils se sont déjà toujours un peu plus stigmatisés, surveillés, et puis tout le monde est un peu mal à l'aise aussi. Ça commence déjà avec la secrétaire qui ne sait pas comment les aborder. Enfin, voilà, et ça, je pense que, et finalement, ça s'est très très bien passé, mais je pense qu'il y a toujours un peu ce blocage au début pour les accueillir, et c'est très important aussi de leur offrir une porte d'entrée quelque part, parce que je pense que le malaise est aussi de leur côté, et c'est certainement, comme vous dites, une partie de la population qui est moins bien suivie, justement parce que les abords faciles manquent, comme pour tout le monde. Frau Hild. Madame Hild. Est-ce que vous avez fait des expériences avec des personnes trans, par exemple, dans votre quotidien? Et comment est-ce que vous avez été sensibilisée? Est-ce que c'était une auto-sensibilisation? Est-ce que ça faisait partie de votre formation? Dans mon cabinet, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer une personne trans, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe. J'habite dans un petit village et il y a une fille qui se voit comme un garçon, qui veut être abordée comme un garçon. Et avant, elle était vraiment typiquement fille avec des robes. Et là, maintenant, elle a les cheveux rasés. Et elle veut qu'on l'aborde différemment. Et surtout, dans un petit village, ben, on en parle, on pose des questions. Et je pense que dans les années à venir, il y aura du travail à faire au niveau de la société pour reconnaître ce genre de personnes. Mais dans le cadre de mon travail, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer une telle personne. Mais c'est bien si vous préférez, enfin, si vous préparez le terrain pour les médecins et les enfants. Mais oui, il faut pouvoir expliquer aux enfants également ce qu'il faut faire, qu'il faut faire preuve de tolérance et aussi par rapport aux parents, comment il faut réagir, comment il faut gérer ce genre de situation. Et il faut apprendre à nos enfants aussi que tout le monde peut être comme il veut. Merci. Monsieur Skiflet. En ce qui concerne les recherches, il y a le mot gender health gap. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? J'ai pas compris. Le gender health gap, est-ce que là, vous pouvez le commenter? Ben, à l'heure actuelle, assez peu. Et je prendrai le corollaire de, en fait, tout ce qui est inconnu fait peur. Et donc, quelque part, c'est la connaissance, c'est l'échange, c'est la compréhension, c'est l'enseignement aussi, c'est la responsabilité que l'on a, en tout cas à l'université et de notre société. Et je fais l'analogie du début du sida et de ce que ça a amené aussi. Et toutes les erreurs, comme on l'a dit, qui sont encore malheureusement faites de temps en temps. Et moi, j'ai vu les premières où, en fait, en salle d'opération, on avait des lunettes de protection où il avait été mis en grand, si vous voulez, sur les lunettes, sida. Et donc, on se baladait comme ça dans la salle d'opération et tout le monde savait que la personne qui était là avait le sida, alors que j'ai vu les mêmes erreurs en consultation, c'est-à-dire une secrétaire répondre au téléphone devant la file d'attente pour un collègue spécialiste de la prise en charge du sida, dire « mais le professeur Yombi ne voit que les personnes qui ont le sida ». Et la patiente qui est en face, la phrase suivante, c'est « j'ai rendez-vous avec le professeur Yombi ». Et donc, vous voyez, c'est la déconnexion de stigmatiser
d'utiliser les bons termes, d'accueillir les gens, de reconnaître quelque part la différence, comme on l'a dit, dans les races, dans l'ethnique, etc. Donc ça ne se limite pas aux gens, pour moi, enfin, c'est beaucoup plus large dans notre société, mais c'est toujours la méconnaissance, c'est-à-dire l'étranger ou ce qui n'est pas connu fait peur, et il faut avoir cette ouverture-là, pour moi, ce progrès-là, parce que, comme on vient de l'énoncer, c'est des personnes qui, à un moment donné, expriment une souffrance. Et donc ont besoin d'être reconnus, ont besoin d'être aidés, ou en tout cas d'accompagner, et vraiment d'être reconnus. C'est-à-dire, si c'est un sentiment, ça ne doit pas être corrigé, ce n'est pas quelque chose qu'il faut traiter, c'est l'interprétation que l'on fait. Après, ça peut être un plus grand débat, mais c'est ça qui est important pour les patients au sens large. Toutes les personnes, c'est un besoin d'être reconnu comme une personne à part entière, et le futur nous dira que, quelque part, comme on l'a eu dans toutes les appréhensions qu'on a eues dans notre société, dans notre humanité, que, quelque part, c'est la matière du progrès, en fait. On peut discuter pendant des heures de l'accès à la procréation chez ces personnes-là, etc., mais je pense qu'on a, en tout cas en Belgique, des lois progressistes qui ont été mises en évidence, et au début, ça a peut-être posé des questions, mais maintenant... partout dans le monde, on dit que la Belgique a été progressiste dans ces lois-là, notamment. Enfin, voilà, on n'est peut-être pas progressiste dans tout, hein, vous savez. Mais ça rend une fierté, quand même, je pense. Alors, à la fin, le sujet le plus important, à mon avis, on a besoin de solutions politiques. vous avez mentionné déjà la stratégie nationale française. Là, peut-être, on pourrait faire un peu de recommandations pour les hommes et femmes politiques au Luxembourg, au cas où ils voudraient faire une telle stratégie pour le Luxembourg. Est-ce que là, M. Skiffley, vous avez des recommandations? Quels aspects ne doivent pas être oubliés lorsque le Luxembourg veut faire une telle chose? Mais je pense que ces réunions sont très importantes. C'est pas la première à laquelle j'assiste, mais en tout cas c'est la première évidemment après le Covid, mais on sent, en tout cas d'un point de vue médical, une certaine pression, et c'est positif, c'est-à-dire que c'est une remise en cause sur le fonctionnement médical. Alors les centres experts, c'est un peu, enfin, moi j'aimerais bien poser juste une question, après que vous n'êtes pas obligé d'y répondre puisqu'on va pas y répondre, mais qu'est-ce que vous considérez comme étant en tout cas un chirurgien expert? C'est-à-dire, combien de fois il doit pratiquer la chirurgie par an pour être considéré comme expert? Et c'est juste une perception. Quand vous allez demander un avis, je sais pas moi, à un menuisier pour venir travailler à la maison, est-ce que vous avez la perception de savoir le meuble qui va monter, quelle est l'expérience qu'il a? Qu'est-ce que vous estimez par an pour avoir d'expérience? Alors, en Belgique, on a commencé à centraliser des pathologies qui sont des cancers, et établir, notamment dans le cancer du pancréas et de l'œsophage, qu'on estime maintenant obligatoire que pour être reconnu comme centre expert, on doit opérer 20 cancers par an. C'est-à-dire une fois toutes les deux semaines, et encore. Ça, c'est un centre expert. C'est beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas. Mais il a fallu des années pour instaurer ça. Il a fallu de pression, de résistance multiple et de la part du milieu médical, parce qu'il y a aussi du politique dans le médical, hein, savoir l'hôpital d'en face, qui peut le faire, pourquoi pas moi, etc. Donc on a aussi, nous, en tant que médecins, une responsabilité à définir ce qu'est un centre expert et à accepter aussi à ne pas savoir tout faire. Et je le dis clairement aux patientes, il faut avoir cette humilité-là, pardon, et le reconnaître. Moi, si je milite pour des centres experts, ça veut dire que je ne vais pas opérer tous les patients qui ont de l'endométriose en Belgique. Non, il y a des prises en charge qui peuvent être faites en dehors de centres experts, ou en tout cas par des centres qui sont dans une sorte de hiérarchie de prise en charge de la pathologie. Ça, c'est important. Mais le politique doit établir des lois et doit établir des moyens financiers. Et le médical, ou en tout cas la responsabilité du milieu médical au sens large, doit se structurer et doit, ce qu'on n'a pas en Belgique, un registre et déclarer le nombre de patientes que l'on traite, les complications que l'on a, les réussites que l'on a et les chiffres que l'on a, parce que vous êtes en droit
de demander, voilà, quels sont les résultats de prise en charge. Alors, il y a des biais, hein, ça induit des biais. Si quelque part, on m'évalue sur le nombre de chirurgies que je fais, il en faut 20. Alors, je vais opérer tout le monde pour en arriver à 20. Donc, il y a un biais derrière. Si on me dit, mais il faut que vous ayez des bons résultats en termes de fertilité, vous me dévoie à 39 ans, moi, je ne vous prends pas, hein, vous êtes trop vieille, je vais prendre la petite jeune de 20 ans, elle sera enceinte. Donc, il y a des biais. En France, ça fonctionne comme ça. Hein. Alors, en certains centres de PMA, vous avez un âge trop âgé, on ne vous prend plus, parce que ça va altérer les chiffres que l'on a. Donc, il y a des biais derrière. Il faut se méfier. Tout n'est pas parfait dans cette prise en charge. Mais, je me répète, chacun, les patients, les médecins, le politique, a un rôle à jouer d'informer, de déclarer l'endométriose comme étant une priorité et d'essayer de travailler ensemble, avoir un consensus sur le mode de fonctionnement de notre prise en charge de soins de santé. Voilà, le système n'est pas parfait, mais moi, je suis resté en Belgique parce que je pense qu'il y a un certain équilibre. On n'a pas la déviation des systèmes peut-être scandinaves ou anglo-saxons et on n'a pas le manque de moyens des pays qui sont, où on n'a pas un accès aussi plus facile. Enfin, je voudrais revenir sur le fait qu'il n'y a pas d'équivalence dans le monde, en tout cas, d'accès notamment à la PMA, si cycles de fécondation in vitro sont remboursés en Belgique et au Luxembourg. Il n'y a pas d'équivalence dans le monde. Et les centres sont reconnus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à coup sortir un centre de référence de PMA. Non, tout ça est contrôlé. Donc c'est possible d'instaurer ça. C'est possible de réguler ça. Mais il faut une volonté politique derrière et il faut que ça soit une priorité, comme l'accès, je veux dire, à la procréation pour tous les couples, quels qu'ils soient, ou même les couples et non-couples, c'est-à-dire l'accès aussi à des personnes seules. Oui, j'ai déjà fait un lapsus. Merci. Madame Hilt. Il y a eu une question parlementaire, donc chez nous à la Chambre, au Parlement, et c'est la ministre de la Santé qui a donc promis ou qui a dit qu'on envisage des discussions pour instaurer une telle stratégie nationale au Luxembourg, donc par rapport à l'endométriose. Si maintenant vous aviez un mot à dire, donc je suppose que vous recommanderez de travailler également avec des naturopathes, non? Oui, ce serait une excellente idée. Donc, j'ai fait une formation chez Eva Bogen qui gère un cabinet à Bonn qui travaille donc avec les ministres également. Et donc, on voit aussi, grâce à des études, que le taux de fertilité a augmenté lorsqu'on travaille, par exemple, avec de l'acupuncture. Et donc, vraiment, cette approche holistique peut faire bouger pas mal de choses. Donc, il faut avoir la médecine traditionnelle, mais il faut que ce soit complémentaire avec des traitements alternatifs. Et on a aussi des résultats de recherche aussi pour le traitement de la douleur. Et les expériences chez moi au cabinet montrent que cette combinaison entre la naturopathie et la médecine traditionnelle fonctionne assez bien. Mais chez nous, dans la région, je vois quand même qu'il y a certains problèmes. Les patientes qui souffrent d'une endométriose et qui sont traitées, qui voudraient avoir un enfant et qui sont donc traitées, on a les spécialistes pour l'endométriose, mais qui communiquent pas énormément avec les autres experts et expertes. Donc, il faut que cette communication entre les différentes personnes impliquées dans la prise en charge de la patiente soit améliorée également. Donc, en Belgique, il y a 6 cycles qui sont remboursés par la caisse. Ici, chez nous, en Allemagne, il y en a 3 qui sont remboursés. Et donc, on travail. Il y en a qui arrêtent, qui au bout d'un an arrêtent parce qu'il n'y a pas de grossesse ou parce qu'on a vraiment eu un problème d'endométriose. Et là, je pense que pour les patientes qui présentent ce problème d'endométriose, la caisse de maladie devrait peut-être leur accorder une ou deux tentatives de plus parce qu'on aurait peut-être d'autres possibilités si d'une telle façon on ne peut pas tomber enceinte. Mais voilà, on a une autre situation de départ pour les patientes qui sont atteintes d'endométriose
et voilà, avoir un petit surplus de la part de la caisse de maladie. Et donc, je dirais qu'on doit donner au ministère pour qu'il puisse écouter toutes les personnes qui sont importantes, n'est-ce pas? Je pense qu'une partie déjà du travail est faite, mais doit être honorée par les politiques. Sur le terrain, il y a une certaine centralisation qui est déjà faite, même si on ne l'affiche pas à l'extérieur, on n'a pas la possibilité de l'afficher. Il n'y a pas de centre accrédité au Luxembourg, mais il y a quand même une certaine centralisation qui s'est faite dans les différentes institutions hospitalières sur des gens qui traitent beaucoup plus d'endométriose que d'autres. Il y a une structuration au niveau de la PMA, où depuis 15 ans, je pense, la clinique Boller collabore de façon excellente avec le centre hospitalier. On fait un seul centre où on essaye de couvrir en tout cas une bonne partie de la population du Luxembourg, et ça fonctionne très très bien sur une base tout à fait collégiale depuis des années. Donc je pense qu'une partie est faite. Ce qui n'est pas faite, c'est la structuration, justement dans une approche multidisciplinaire en fonction des différents corps soignants. La multidisciplinarité au niveau médical fonctionne encore. Une bonne partie de la chirurgie est faite ensemble avec un chirurgien viscéral ou urologue au cas où c'est nécessaire. Ça, on structure nous-mêmes. Mais au niveau multidisciplinarité par rapport aux autres corps soignants, psychologues, sexologues, kinésithérapeutes, etc., ben là, il y a un long travail à faire. Et là, il faudrait aussi que la politique ne se limite pas souvent à simplement dire oui, il faut maintenant créer un centre d'excellence, parce que ça c'est leur mot préféré, faire un centre d'excellence, mais ne le remplissent pas d'un concept, et ils ne donnent pas les moyens pour le remplir d'un concept. Donc là, ça se limite à ce que, si je vous donne par exemple, on a droit dans la clinique Boller, une clinique de 80 lits gynéco et obstétrique, on a droit à un quart de psychologue, un quart d'assistante sociale, pour couvrir tout le spectre. Et celui qui décide, c'est la CNS, c'est personne d'autre. Donc là, ben voilà, et les gens ont juste droit d'être suivis le temps qu'ils sont hospitalisés. À l'extérieur, ben pas de prise en charge. On a de temps en temps des créneaux spéciaux avec quelqu'un qu'on connaît au niveau kinésithérapie ou psychologue qui s'y intéresse spécialement. Mais là, de nouveau, se pose la question de la prise en charge et de l'accès, parce que ben voilà, il y a quand même un accès limité, parce qu'aussi ces gens-là ont beaucoup de travail et que les délais d'attente sont aussi très lents. Donc je pense qu'il y a tout ce volet-là. On discute depuis 10 ans au niveau politique pour faire une prise en charge des psychologues. Zéro. À l'heure actuelle, ils sont toujours en négociation. Sexologues, zéro. Toujours en négociation. Kinésithérapeute, prescription pour 8 séances. Puis renouvellement. Donc il y a tous ces volets-là où il faut remplir le concept de multidisciplinarité de vie et pas simplement essayer de coller une belle étiquette et d'être content de l'étiquette qu'on a fait. Et la seule façon où, juste à présent, il y a un peu centre d'excellence, on essaye de le faire dans le cancer du sein, c'est en train de se faire. Mais là aussi, de nouveau, on se limite à des moyens limités. Et professeur Skiffley l'a dit, une partie, c'est aussi contrôle de qualité, c'est analyse des résultats, etc. Là, les moyens mis à disposition, pratiquement zéro. Et ça se résume à cela. Donc il faut, à un certain niveau, à mon avis, une pression de par la population. Où est-ce qu'on veut y arriver? Et que ça ne suffit pas à chaque fois à répéter à chaque nouveau ministre de la Santé des belles phrases et remettre le plan Xème pour faire quelque chose, mais vraiment de ne pas lancer des nouvelles idées, mais de remplir déjà ce qu'on veut faire depuis des années, des années, des années. Parce qu'à la longue, c'est usant pour tous les gens motivés dans ce domaine-là, et une partie des gens abandonnent à un certain moment le projet et ne veulent plus aller pour structurer au mieux la meilleure prise en charge des patients. Vous avez quelque chose à ajouter? Ou est-ce que tout a été dit? Oui, parce que tout a été dit. Non, je voulais juste ajouter, je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur Stibert, et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, où on sent que les personnes ici présentes, c'est des personnes vraiment concernées, donc touchées par la question. Je pense qu'on doit vraiment essayer de plus développer des situations de ce genre, d'une autre sensibilisation, et que quelque part, ce ne soit pas juste de la théorie ou des bons concepts, et aussi de toujours rester, pour moi, centré sur la personne.
que ce soit la patiente, le patient, dans une optique non binaire. Et parce que toute personne va avoir besoin de quelque chose de différencié. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de traitement miracle, et quelque chose qui convient à une personne ne va pas convenir à une autre personne. Et donc, je pense qu'on doit rester toujours au plus près collé au vécu de la souffrance, de la difficulté, et qu'on voit, comme on l'a bien dit, toutes les répercussions diverses que l'endométriose a, ben je pense que c'est quelque chose qui doit aussi, au niveau politique, être mis en avant, que ça a vraiment des répercussions de santé publique. Alors, un grand merci final de ma part à mes interlocuteurs et interlocutrices, au public, aux organisatrices, aux personnes du personnel technique, je ne veux pas oublier une personne. Alors, aux interprètes, merci beaucoup, ils étaient là dans les trucs encore plus chauds que cette salle. Aux gens qui ont fait le service dehors, et je crois que c'est là le lieu où on peut continuer avec la discussion. Comme ça, tout le monde a un peu la possibilité d'avoir de l'air frais, et comme ça, la discussion continue. Je crois aussi que la lutte continue. Et je suis très, très contente de savoir qu'il y a assez de gens qui vont lutter avec nous. Merci beaucoup. Il y a encore un petit cadeau. Ah oui, et ce qui intéresse toujours les Luxembourgeois, il y a un Eirewein, un vin d'honneur, là dans le foyer. Ah oui, là, merci. Comment ?